Tu te sens bien chez le président? Tous les meilleurs soldats sont reçus chez le président et toi, tu en fais partie. Le chien en question, c'est Rambo, un chien d'élite qui sert dans les rangs d'une unité d'élite de la police israélienne, le Yamam, l'équivalent du RAID en France. Et si Rambo a été reçu par le président, c'est parce qu'il a été grièvement blessé lors du RAID qui avait éliminé le terroriste de Barkhane. Au cours de cet incident, Rambo détecte le terroriste qui parvient à lui tirer une balle dans le cou, mais réussit à signaler aux hommes où le terroriste se cache dans la maison. Rambo a ainsi réussi à sauver des vies. Et pendant que Rambo se repose, ses frères d'armes, eux, sont sur le pied de guerre. La police des frontières nous a ouvert exceptionnellement les portes de son unité canine. À notre entrée dans le chenil, accompagné du commandant de l'unité, les chiens sont assez accueillants. Ces chiens ont déjà arrêté de nombreux terroristes, y compris ceux qui avaient encore leur couteau dans la main à la porte de Damas, mais pas seulement, des jeteurs de pierres et cocktails Molotov. Ces chiens n'ont pas peur des tirs, des grenades, des manifestations très violentes. Ils sont prêts à tout pour leur maître et à se lancer contre les terroristes armés de couteaux, d'armes à feu, d'explosifs, quitte à ne pas revenir vivants. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais dans ce cas précis, le chien est surtout le meilleur protecteur de ses policiers, quitte à se donner en sacrifice dans des situations particulièrement complexes. On va le vivre. Nous avons équipé l'animal d'une GoPro. Ces images sont assez impressionnantes. L'intervention a lieu en quelques secondes. D'autres exemples devant nos yeux. L'animal est très respectueux des ordres reçus par son maître. Une vraie équipe qui prend tout son sens dans des moments tendus. Ici, un contrôle de routine qui tourne mal. Le chien n'agira que lorsqu'il comprend que le policier est en danger. Dans tous les cas de figure, y compris lorsqu'une arme est pointée sur lui, difficile alors de forcer l'animal à lâcher prise. Ce chien-là ne me protège pas. Il est censé trouver des armes, des explosifs et de la drogue. C'est son rôle. Les autres chiens sont destinés aux arrestations de terroristes. Chaque chien se voit attribuer une position en fonction de ce qui lui correspond. Zora est aussi capable en quelques secondes à peine de trouver le chargeur qui avait été dissimulé sous la roue de cette voiture. Et même se contorsionner lorsque les armes se trouve dans le carburateur. Le Yamam est la seule unité au monde qui élève ses chiens depuis la saillie jusqu'à la retraite de l'animal. Dès leur naissance, ils vont être traités, entraînés et être ainsi opérationnels en 18 mois. Les chiens sont placés au même titre que les combattants. Rambo a d'ailleurs été traité par un vétérinaire sur le terrain, mis sur une civière, perfusé et transféré à l'hôpital le plus proche, exactement comme un combattant. Et ce, dans toutes les situations, y compris les exercices physiques sur les tapis de course, ou comment confirmer l'adage, un corps sain dans un esprit chien.